Alors, on va voir ça. Mais Kalua, qu'est-ce que tu... Arrête, tu te dis que je veux de l'argent. Ah ben voilà. Moi, je n'ai pas envie de rien. Je veux de l'argent. Je te dis que ma mère arrive. Je m'en vais au travail. Si je reviens chez moi à la maison, si jamais je trouve ta mère et ton frère ici, nous allons mettre même pantalon. Mais Ouma, si ma mère ne vient pas ici, où tu veux qu'elle aille? C'est ta maison ici. C'est ta maison ici. Demandez-moi, c'est ta maison ici. On t'a marié. Tu m'as marié. Ta loi. Tu me donnes l'argent, sinon tu ne sors pas ici aujourd'hui. Tu me donnes l'argent. C'est qu'elle cherche ce matin, elle va trouver. Hein? C'est que tu cherches ce matin là, tu vas trouver. Tu vas trouver, hein? Si tu m'attrapes encore deux fois, tu vas trouver, mec. Allez, attrape encore deux fois. Donc tu donnes pas. Je donne rien du tout. Bon, d'accord. Ta mère, je ne la connais pas, c'est pas elle que j'ai épousée. Ton père, c'est pas lui que j'ai épousé. Tes frères, c'est pas lui que j'ai épousé. C'est toi que j'ai épousé. C'est très bien que mon père est mort là, c'est pour ça que tu parles de lui aujourd'hui. On s'en fout. Tu n'as qu'à mourir. C'est moi. Tu vas venir me trouver ici à midi. Tu viendras me trouver ici. Si je te trouve ici, toi, oh, ta maman, oh, toi-même, oh, tout le monde, oh, tchèque. C'est ça, on va voir à midi. Tu viendras me trouver ici. Hey, tu vas la trouver ici, piam. Salut, tu vas la trouver ici, piam. Tu vas la trouver ici, piam. Tu n'as rien compris, toi. C'est ta faute, hein? Pardon. Apporte-moi les assiettes là, s'il te plaît. Dépêche-toi. Le plat aussi. Je n'ai pas besoin de te tout ça là. Les verres, les cuillères et tout ça là. Tu laisses ça là-bas pour venir te voir. Madame, je suis pressé. Tu es quoi? Merci madame, voilà. Et ta bière. Ça y est, au frigo, d'aller chercher maintenant. Ouais. Dépêche-toi avec la bière. Voilà ça, madame. C'est bien glacé, hein. Tu as décapsulé? Non. Il faut qu'elle te demande de décapsuler encore. Non, tout si, madame. Vraiment. Madame, la chose là, c'est perdu, hein. Moi, je vais prendre ma bouche à 20 ans. Et machin là, c'est perdu. Hé! Hey, tu fais ça là, tu bois. Madame, c'est la même chose. Mais tu ouvres ta bouche, ça veut dire quoi? Pardon, et puis, madame. Patron va boire. Bois. Comment on peut être mauvais et méchant comme ça? Un homme comme ça, j'ai marié. Depuis 20 ans, nous sommes ensemble. Et je ne veux même pas recevoir mes parents ici. C'est comme ça qu'il n'a pas voulu recevoir mon père jusqu'à le vieil, il est mort. Pour aller au funérail même, c'est tout un problème. Voilà, ah oui, il a fait jusqu'à mon oncle même qui a payé mes études, il refuse de venir ici. Et aujourd'hui, ma mère va venir avec mon grand frère, il refuse de les recevoir. Pour cela, il me frappe. C'est pour 2000 francs, il va me donner pour faire à manger à ma mère. Il refuse de donner. Pourtant, avant, quand je travaillais, il n'était pas comme ça. Quitte ton travail comme ça. Et aujourd'hui, regarde comment il me paye. C'est bien. Ça fait rien. Pour ma mère, j'irai demander l'argent à Alphonse. Oui. Madame, oui. Il y a ta maman avec deux messieurs. Maman? Oui, où elle est? Hé! Entrez. Hey, maman. Grémouron. Mais. Maman. Vous aussi, ça va comme ça. Ah, quitte là. Ça fait longtemps que j'ai vu ma fille. Pardon. Attends, maman. Ma fille, viens ici. Attends, faut pas me bouchouiller. Mais qu'est-ce qu'il y a? C'est l'enfant qui t'amusait ici chez les frères. Il faut me dire la vérité. Il est tombé. Tu n'as pas volé même tout ça là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Tout ça là. Non, c'est pas clair. Tonton, ça va? Non, parle-moi ici. Ou bien tu as des problèmes avec ton mari? Non.
Et c'est qu'elle s'est toi matin bonheur là encore. Ah, ma fille. Nouvelle. Non, attends. Nouvelle, tout ça c'est bon. Mais tu as maigri. Hein? Non, c'est la protéine. Depuis que j'ai perdu mon emploi là, c'est pour ça, c'est les soucis. Sinon, il n'y a rien. Tout va bien. Ton mari est là? Oui, il est là, il se porte bien. Il a même demandé après toi l'autre jour. Et la vie change où? Oui. Kaloua qui demande après les gens. Oui. On a marché sur le bon pied aujourd'hui. Oui. Marché, attendons pour voir. Bon. Ça va, on dit pas. Ça va, on va faire mal. Il n'y a rien de grave. Tu sais, ton grand frère, il y a un problème très difficile de travail. Comme Kaloua est bien connu là, j'ai décidé comme ça, j'ai dit bon, allons. On va le voir. Peut-être qu'il y aura quelque chose pour nous aider tous. Rien à ta pauvre mère. Je t'ai dit. Hein? Je suis seul là-bas à me fatiguer. Tonton. Et puis comme les choses ne marchent plus maintenant. Il peut rester chez toi. Il peut rester chez toi comme ça si Kaloua se débrouille pour trouver quelque chose pour lui. On va l'appeler, on va aller travailler. Mais ici, la grande maison que vous avez là, pour ton frère, tu ne peux pas l'héberger ici. Pédice, comment je peux rester au village pour préparer ma vie? Hein? Faut voir Magneto. Il a du monde chez lui. Et surtout c'est au village. Tu sais que j'ai fini, j'ai fini ma formation. Il faut que je travaille. Moi, je ne vous demande pas gros. Hein, je ne vous demande pas gros. Seulement me coucher et puis me donner un peu de manger, c'est tout. Et puis moi, je vais passer mes concours. Tu sais, au village, c'est pas au village, il faut s'inscrire au concours. Où il faut avoir les informations, toi aussi. Oui, je sais. Mais c'est coucher la même qui est à faire. Mais tu as dit toi-même tout à l'heure que bon, ton mari, il est gentil. Hein? Il va devenir gentil, mais... On dirait qu'il est arrivé. Ah oui, bon, non, ça tombe bien. Si il est arrivé, c'est bien. Non, non, ça tombe pas bien. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Et puis tu pas dit comme ça la même, c'est quoi? Hein? Ça tombe pas bien. Il va... Maman, il y a quoi? À quoi il est? Viens, chef. Attends. C'est toi même. Attends. Oui, madame. Grimlo. Faut prendre le truc à l'histoire. Attends, on peut enlever ça là, ici. Il faut te lever de là. Oui. Faut te lever. Oui. Mais à quoi même? Pourquoi t'es paniqué comme ça? Oh, attends-toi. Mais pourquoi t'es... Attends-toi. Oh. C'est quoi? Je ne comprends rien là. Comment la paix? Où toi tu vas? Toi, t'es trop chaud. Kaloua est fini. Non, il est venu. Faut t'asseoir qu'il va venir te trouver. C'est quoi? Son mari. Bon, faut passer. Ah, pour toi là même, ça commence à me faire chaud. Tu comprends pas l'affaire. C'est quoi même? Ah, qu'est-ce que tu as? Kaloua. Quoi? Qui est arrivé? C'est ma fille. Madame, tu fais quoi là dans mon hôtel? Je suis venu chez ma fille. Levez-vous. Hein? Madame, levez-vous. Kaloua, tu es passé. Levez-vous. Il est dans le stade pour aller dire. Hein? Non, Kaloua, attends. Attends quoi? Attends. Hein? Je t'avais pas dit que quand je partais au travail, que je vais faire quoi ici? Hein? Toi, tu fais quoi ici? Non. Tu me connais pas? C'est moi, Magneto. Moi, je m'en fous. Oh, c'est mon... On t'a dit que j'ai pire ici? Mais c'est mon nom, c'est chéri. Je dis que je m'en fous. Je m'en fous. Ah, tu me chasses de chez toi. Non, je te chasse. Oh, est-ce que vous croyez que je n'ai pas entendu ce que vous avez dit? On t'a dit que chez moi ici, c'est une usine pour tout le travail à un comme ça. Sauvage, imbécile, elle m'a tué tout. Coulons! Sauvage! On t'a dit que c'est votre maison?
C'est toi que j'ai épousé. Je n'ai pas épousé tes parents. Et tes parents? Ben, ils sont de l'autre côté, ils sont en train de manger. Enfin, je leur ai servi à manger là-bas. Ah, mais non, il faut les appeler, il faut qu'on déjeune ensemble. Ah bon? Ben. Ah, mais oui. C'est pour cela, ce matin, je t'ai dit que je ne prenais pas du café. D'accord. Aïe. Wawaliwa! Madame! Appelle ma maman et mon papa là-bas. Madame, ils ont commencé à finir de manger là-bas? C'est presque terminé? Pardon, ils viennent ici manger avec, avec mon mari. Eh, je n'ai qu'à venir ici. Ils doivent manger avec nous, on va les appeler, voyons. Mais où j'ai travaillé avant là-bas, mes patrons veulent. Mais tu n'as pas donné le discours, hein? Femme là n'a qu'à venir aussi. Ah, va les appeler! Mais vraiment, hein, ce Wawaliwa là, il bavarde beaucoup aussi. Hein? À qui tu dis ça? Toi, tu lui donnes comme ça là. C'est ça, il prend comme ça. Bon, il faut le comprendre. Ah, voilà. On vous attendait pour déjeuner. Quand je vais chez vous au village, vous me recevez bien. Mm-hmm. On mange ensemble. Il n'y a pas de raison que quand vous venez chez moi, que je fasse... hein, je vous mets à la cuisine et puis moi je reste à table avec madame. Ça ne fait pas bien. Vraiment, mon beau là, il est gentil. Hein? Ah. T'as vu ma camarade là? Ouais. Aloua là? Ouais. Elle est venue chez son beau. Son beau l'a chassé. Comment ça? Son beau l'a chassé. Hein? Et ça, on dit son mari, il s'appelle quoi là? Kaloua. Toi-même, tu connais pas. Kaloua? Oui. Je connais lui un peu. Hein. Kaloua? Oui. Le fils du vieux là. Ah, mais Kaloua, il est méchant. Il est trop méchant. Hein? Ça dépend de la femme. Sinon, moi, je respecte bien mes beaux-parents. Hein, quand ils viennent ici là, je les respecte. Et mon mari aussi doit respecter mes parents. Ah oui. Si elle est méchante avec ses beaux-parents là, comment son mari peut respecter ses parents? Mmh. C'est réciproque, le respect. Ma fille, tous les garçons ne sont pas pareils. Hein? Mmh. Toi, tu as eu la chance de tomber sur un bon garçon, c'est ça. Ce ne sont pas tous pareils. Ah, c'est vrai. Il y en a des mauvais même. Ah, c'est vrai. Mmh. Ici, là... Tu connais pas où? Ah, c'est bon. Ça, encore si tu veux, c'est bon. Laisse-le, tu veux manger. Mais c'est quoi, c'est bon, c'est bon. Hein? Voilà, poisson. Prends. Je te sers de la bière. Hein? Oui, oui. C'est pas chez toi ici. Hein? Non, ça va, vous êtes chez vous. Tu n'as même pas honte chez ton beau. Encore tu viens faire pas la... Mais... L'enfant que tu as eu avant de me marier là, quand on est parti chez elle, son mari nous a regardé. Oh, oh. Son mari nous a même... Oh, Yodo, tu as menti. Tu as menti. C'est chez Marie. Marie. Qui est Marie? Tu connais pas Marie? Ta fille que tu as fait avant de m'épouser là. Regardez. On est parti chez elle là-bas. Va là-bas. Son mari, est-ce qu'il nous a regardé? Un menteur comme ça. Hein? Bon. C'est ça que tu es venu parler, Regardez aussi. Va là-bas. Va là-bas. Va aller. La vieille, je te sers un peu de bière. Vas-y, mon voilà. Je vais le boire. Et toi, mais tu bois. Toi, comment tu bois? Après, deux. Va là-bas. Après, trois. Tu m'as connu, non? Ah, c'est bon. Va aller. On mange. Vraiment, ça fait plaisir de voir un vieux couple comme ça. Je dis petite, toute petite comme ça, c'est pas grave, ils font. Ils s'aiment, c'est dans ça, ils font pas grave. C'est bien. C'est quel homme ça? Si c'est pas méchant, c'est bon. Ah, c'est comme ça, ils sont, hein? C'est pas méchant. Bon, voilà, dans demain, oui? Tu vas demander à ton vieux s'il veut bien qu'on mange un poulet ce midi. Papa, mon mari demande si vous voulez un poulet ou bien pintade ou... Ça dépend. C'est... Maman, qu'est-ce que vous voulez? Moi, j'ai mangé pintade. On veut dire, on va manger pintade. Hé, Jésus, attends, je vais enlever les arrêts. Sinon, si c'était bloqué ici, bon, ma chère, je suis pas là. T'as vu? C'est pas les deux là qui faisaient pas là tout à l'heure. T'as vu? Bien ça. Ici, il paraît qu'ici les blancs, ils font comme ça. Hein? On fait blanche. Vous faites pour moi aussi. Et papa, maman, vous aussi. Vous êtes chez moi, c'est quoi? Votre boue, elle a pu faire des trucs comme ça. Alors, on a dit, c'est la pintade ou bien c'est le poulet? Pintade. Oui. Sauce pistache. Oui. T'as compris? Tu vas même pas bien manger. Non, c'est pas bien grave. Ah. Bon, allez. À tout à l'heure. Attends, comme il est parti, il est mal-doué ici. Ah. Mon beau là aussi, il est trop moins. Ça, c'est quel beau ça. On dirait une femme. Maman, lui, il n'est pas moins. Guy, ici même.
Il est très très dynamique, mais il respecte beaucoup les gens. Même moi-même qui suis sa femme là, il me respecte beaucoup. Bébézi, ta fille a vu un bon garçon, tu dis il est moins. Ah bah là-bas. Hein? Toi, tu fais tout plâcher. Hein? Vous allez... Donc toi, vous aimez les garçons toujours là, qui frappent les femmes là. Toi, mais tu n'es pas comme ça aussi. Mini Marie, tu n'es pas comme ça. Attention, hein. Ta là va venir tout de suite. Non, tu fais ça. Il y a quoi encore? Hein? Tu as dit... C'est quoi? Qu'est-ce que tu as? Hein? Tu as mangé, non? Tu n'as pas encore mangé. Non, fais t'asseoir. Je vais finir de laver les assiettes. Oh, attends. Je vais vite faire. Demain. Marie, là, on ne prend pas gros cœur pour se marier. Si c'était gros cœur, là, il y a longtemps, je suis partie. Toi, mais regarde un peu ce que ton papa me fait. Mais je suis toujours là. Donc, malgré tout ce qu'il va te faire, il faut rester tranquille. Faut t'occuper de tes enfants. Les ont dit là. Faut pas écouter ça. Beaucoup de copines là. Faut pas écouter. Voilà. Il va venir te voir pour te dire que moi, mon mari me donne argent de poche 5000 francs ou bien papa 2000 francs. Là. Faut pas écouter. C'est pour pouvoir arracher ton mari. Si tu n'as pas, si ce que je suis en train de te dire, matin là, tu n'as pas écouté, que tu fais d'autres choses. Tu sais, il y en a même leur mari leur donne 1000 francs pour lui faire le marché. Elle dit que mon mari m'a donné 5000 francs. Hey, papa, moi, où je suis là? Je n'ai pas de copine. Depuis que vous êtes venu là, qui vient me présenter? Je n'ai pas de copine. Dieu m'a donné un bon mari. C'est le grand conseil. Là, tu vas dire au revoir à grand-papa et à grand-maman là-bas. Bayon, ta fille, elle s'appelle comment, maman? Elle n'a pas le nom de village. Ah. Vous allez aller au village, travailler. La manière que vous êtes venu cette année-là, si vous travaillez comme ça, jusque quand tout est fini, pour vous reposer là, n'hésitez pas. Venez chez nous pour vous reposer un mois comme ça, et puis vous repartez au village. Mais je vous préviens, dans 6 mois, nous, on est en vacances. On vient aussi au village, hein. Oh, Bayon. Ah, oui, des problèmes. Bayon, Bayon. Bon. Tu vas donner ça. Voilà, 50 000 francs. Tu vas le leur remettre. Bayon. Oh. Longue vie. Merci. Merci beaucoup. Bon. Merci. Je vous laisse. Ouais. Viens, yo. Hey. Yo. Viens, on va se traiter. Ouais, les maris de maintenant, quand tes parents arrivent, c'est là et ils vont faire funérailles de leurs parents qui est mort depuis 1900. Oh, c'est là tous les problèmes arrivent. Ah, pour lui, là, c'est pas comme ça. Bon, voilà, il n'y a pas de palabres. Papa, voilà 25 000 francs. C'est pour toi. Voilà 25 000 francs. Et toi, je te connais. Arrivé là-bas, là, c'est pour faire pression sur maman et puis lui prendre son argent. D'accord, non, je ne suis pas d'accord. Pourquoi toi, tu fais le patin déjà? Hein? Ça vous ne pas qu'il y a palabre. Quelle palabre? Moi je fais palabre. Tu veux laquelle? Papa, je te connais. Tu veux pas palabre, c'est que tu fais quoi? Palabre. Mais si elle a partagé, ça fait quoi? Après tout, hein. C'est moi qui suis le garçon. Qu'est-ce que j'ai dit? Mais pourquoi? Toi tu as fait 5 000 et puis moi j'ai fait. C'est quoi ça? Hein? Tu dois avoir plus? Ah, où je suis aujourd'hui là, j'ai pas envie de faire palabre. Parce que où je suis là, j'ai envie d'arriver au village là-bas tranquillement. Voilà, tiens tes 5 000. Tiens! Prends. Je prends, c'est pas même. C'est pas fini. C'est fini, maman. Il y a pas d'arrivée. Mais, papa, tu as l'air. Bon, pardon. Papa, tu aimes la vie. Bon, attends, je t'accompagne. C'est pas ton temps. Bon, papa, je m'en vais. Bon, ayo. Merci, maman.